Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un God Mode, donc un after patch du God Mode. Donc pour réaliser ce glitch, vous allez devoir déjà au préalable allumer l'électricité. Ensuite, vous allez devoir tirer sur les 4 boules blanches que je tire dans le gameplay. Quand vous avez tiré sur les 4 boules blanches, va falloir créer l'Etherscope. Quand vous aurez créé l'Etherscope, ben récupérez-le et ensuite tirez sur la 5e et dernière boule blanche, ce qui vous téléportera dans l'easter egg de la Confidence. Ensuite, quand vous êtes téléporté, vous allez devoir vous rendre à l'anomalie qui se trouve juste à côté de l'armurerie. Donc là, vous activez les deux fantômes et vous restez dans les deux fantômes jusqu'à temps que vous voyez que vous allez vous faire téléporter hors de l'éther noir. Donc dès que vous voyez que vous faites téléporter, vous allez directement à la station médicale, donc vous changez de pièce et vous attendez d'être téléporté. Quand vous êtes téléporté, très important, ne repassez pas à côté de l'armurerie. Restez dans la station médicale pendant toute une manche, sinon vous allez perdre votre God Mode. Ensuite, quand vous aurez passé la manche, là vous pourrez sortir et vous trimballer n'importe où dans la map. Vous allez même pouvoir ouvrir la caisse que les zombies dansants auront apportée. Alors très important, vous ne pouvez pas continuer le secret avec ce glitch, parce que si vous reparlez à des fantômes, donc à des anomalies, et bien là vous allez enlever votre God Mode. Alors information supplémentaire, si maintenant vous voulez que tous les zombies spawnent à un endroit, n'ouvrez surtout pas la porte qu'il y a dans l'étang. Donc moi je l'ai ouverte dans le gameplay mais j'aurais pas dû. Parce que comme vous pouvez le voir, ben les zombies passent et rentrent dans le tunnel. En fait ce qu'il faudrait c'est que la porte soit fermée et tous les zombies spawneront à un seul endroit, à droite de l'étang. Donc là vous pourrez faire vos camouflages, gagner des XP en illimité et faire tout ce que vous voulez, même des manches en illimité, etc, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.